las cosas que quiero explorar contigo. Qué rico el bronceado marcado en tu ombligo. Me encontraste cuando más estaba perdido. Tengo motivos para quedarme, nunca soltarte. Eres mi vicio, de ti no quiero curarme. Voy a besarte en medio del solsticio. ¿Qué tal les amis? J'espère que ça va bien. Aujourd'hui, je vous propose une nouvelle vidéo sur Barcelone. On va parler bons plans, sorties culturelles, restaurants, petites adresses sympas, Barcelone gratuite et on va parler aussi un petit peu de shopping. Mais je ne me suis pas présentée. Moi, c'est Laetitia. Je suis française, originaire de Franche-Comté et ça fait 16 ans que j'habite à Barcelone. Alors, je me suis organisée, j'ai tout listé sur mon téléphone, j'espère n'avoir rien oublié. Si vous avez des bons plans que vous avez envie de partager, des commentaires, n'hésitez pas à laisser un petit message sous la vidéo. Allez, c'est parti, on commence en numéro 1, numéro 1, les petites adresses pas chères. Alors, il y a une offre gastronomique à Barcelone qui est très variée. Il y a beaucoup de très très bons restaurants. C'est impossible, vous en doutez, de tout lister dans une vidéo ou deux. Je vais vous parler de quelques adresses que j'aime beaucoup dans cette vidéo et la suivante. Je vous invite également à me suivre sur Instagram, LaetitiaBCN. Je teste régulièrement des petites adresses en solo ou avec les copines. Glacier, bubble tea, pizzeria, bar à tapas, bodega, cuisine libanaise, restaurant asiatique. Ramen, brunch, enfin, je suis pas difficile, j'aime tout. Alors je fais moins de resto qu'avant parce que les prix depuis la fin de la pandémie et surtout je dirais depuis fin 2022 et là cette année 2023, les prix ont beaucoup augmenté, c'est la folie. Par exemple les brunchs, c'est ce que je connaissais le mieux. Avant on s'en sortait pour 18-19 euros et maintenant pour deux plats, un café ou un jus, maintenant c'est plutôt 30 euros et je trouve que c'est abusé sachant que les salaires eux n'ont pas augmenté. Les pancakes par exemple maintenant c'est 12-13 euros alors que bon c'est quelque chose qu'on peut se faire à la maison, on peut très bien se faire un très bon petit déjeuner chez soi, mais il y a quand même moyen de manger pour pas trop cher à Barcelone. En visant notamment les menus du jour, il y a plein de restaurants qui ont des menus en semaine, donc du lundi au vendredi entre 13-15 euros, donc c'est pas mal, c'est une bonne option. Regardez sur Instagram, également sur Google, les commentaires des gens. J'ai également fait une vidéo il y a un peu plus d'un an et demi sur mes bonnes adresses par quartier à Barcelone. C'était Barcelone pour moins de 20 euros. La vidéo est toujours d'actualité, même si les prix ont dû varier un petit peu. Il y a aussi des restaurants qui ont des promos, comme par exemple la Desayuneria, que j'aime beaucoup. Ils ont un resto dans le quartier de Saint-Antoni et un autre dans l'Eixample, vers Hôpital Clinique. Ils ont par exemple le mardi une promo, c'est le sandwich bikini avec café ou boisson pour 4,50 euros. Et les jeudis, c'est le Pancakes Day. Donc tous leurs pancakes sont à 4-5 euros et ils sont vraiment super bons. J'ai également quelques bonnes petites adresses de bar à tapas à partager avec vous, toujours à prix raisonnable. Par quartier, on a par exemple du côté de Parallèle, Quimet et Quimet et la calle Blaye, enfin toute la rue Blaye, où vous trouverez beaucoup de bar à tapas dans cette même rue. Il y a également, pas loin de la Rambla, le bar Muy Buenas, le bar La Principale, le Elizabeth, qui sont assez connus. Vers le parc Güell, j'aime bien aussi la bodega L'Arriera. Alors c'est juste après le métro Valcarca, avant de monter en direction du parc Güell. Dans la Barceloneta, il y a pas mal de petites adresses. Des classiques par exemple, la Cova Fumada, Can Ramonet, la Bombeta, où est née la fameuse Bomba. Le bar Fanny, qui est moins connu, mais très bon également. Et le bar Electricitat. Voilà, ça c'est quelques classiques de la Barceloneta. Il y a également dans le Born, Calpep, Bodega, La Puntual, El Champagnet. Ils ont une très très bonne tortilla chez El Champagnet. Et puis j'aime bien aussi Bormut dans le Born. Ils ont un super bon vermouth rojo, vermeil de la Casa. Et puis enfin, dans le marché de la Boqueria, il y a pas mal de petites adresses, dont El Kim de la Boqueria, qui est assez connu. Et vous pouvez prendre à manger également à la Boqueria, donc sur le pouce. Hein, il y a des empanadas, des tacos, des plats préparés, des pizzas. Par contre, n'y achetez pas vos fruits et légumes. C'est devenu hyper cher, je trouve. Bon, ça n'a jamais été bon marché, la Boqueria. Mais en tout cas, les fruits et légumes, je trouve que c'est scandaleusement cher. Mais pour prendre à emporter comme ça sur le pouce, c'est pas mal. Vous avez toutes ces adresses et d'autres brunchs, glaciers sur mon Google Maps, Laetitia Barcelona.
N'hésitez pas à tester les bars à tapas, bodega. Quand vous entendez que ça parle catalan, mangez comme les locaux. En général, c'est plutôt bon signe. Évitez les attrapes touristes sur la Rambla, Plaça Real, la Barceloneta, quand on vous met le menu sous le nez alors que vous êtes en train de vous promener. Ça, c'est vraiment pour moi nowhere. Et c'est pas les meilleurs restaurants dans les endroits où il y a le plus de touristes. Allez plutôt dans les petites rues du quartier gothique, du Born, du Raval. Pensez au pique-nique également, vous pouvez vous prendre un petit truc à grignoter ou des empanadas et aller manger sous un arbre, par exemple, au parc de la Ciutadella. Il y a aussi des promos sur The Fork, ça fait très longtemps que j'ai pas utilisé, donc ça c'est anciennement El Tenedor, la fourchette, et il y a toujours des promos moins 30, 40, 50%, donc ça vaut le coup. En plus, vous pouvez cumuler des points. Enfin, je pense aux applications anti-gaspi comme Phoenix et Too Good To Go, ça je les utilise plusieurs fois par mois. Il y a de très bons commerces qui sont listés sur ces applis, comme par exemple la boulangerie Mayer, ils ont du très bon pain, viennoiserie, pâtisserie, ils sont dans tous les quartiers de Barcelone. Il y a aussi la Donuteria dans le quartier de San Antoni, la cafétéria Manso qui est juste à côté et qui fait de très très bons cinnamon rolls. Il y a Demacier, les pâtisseries, la pizza del Born, il y a des fleuristes et on retrouve même des supermarchés comme Condis, Veritas et Ametlière Origine. Numéro 2, numéro dos, les sorties culturelles à petit prix. Notamment grâce à deux choses, la carte de bibliothèque de Barcelone et le programme Gaudir Mas. Alors on va commencer avec la carte de bibliothèque, donc El Carnet de Biblioteca, ça ressemble à ça, c'est une petite carte plastifiée, il y a votre nom et prénom. Il faut faire la demande en ligne, je vous mettrai le lien du site, c'est valable 5 ans. On vous demande de remplir un formulaire en ligne et de choisir dans quelle bibliothèque vous souhaitez aller récupérer votre carte. Alors bien sûr, c'est une carte de bibliothèque, donc pour louer des livres, des journaux, des films, de la musique. C'est valable donc dans toutes les bibliothèques publiques de Barcelone et de Catalogne. Et vous avez aussi des réductions à des musées, comme par exemple le Palau Güell qui est vers la Rambla. L'entrée est à seulement 5 euros avec El Carnet de Biblioteca. Également au musée Picasso, le Palau de la Musica et également le Palau de Maricel qui est à Sitges et qui est très très beau, et plein d'autres endroits. Ensuite, le programme Gaudir Mas qui a été mis en place par la mairie de Barcelone. C'est valable 10 ans, c'est gratuit. Il faut également faire la demande en ligne sur le site de barcelona.cat, je vous indiquerai le lien. Et là, ce qui est bien, c'est que c'est pas réservé que aux résidents. C'est valable également si vous venez passer un petit séjour à Barcelone avec votre numéro de passeport, vous pouvez demander à faire partie du programme Gaudir Mas. Donc c'est pareil, vous remplissez un petit formulaire en ligne avec votre nom, prénom, donc votre numéro de NIE ou votre NIF si vous êtes espagnol, ou votre numéro de passeport, et ensuite vous choisissez donc soit l'option vidéo llamadas, donc là je pense que c'est eux qui vous passent un petit coup de fil, c'est un appel vidéo en français, je me rappelais plus le nom, ou alors en présentiel, donc au bureau de l'Atención al Ciudadano. Il y a plusieurs antennes à Barcelone, moi c'est ce que j'avais fait, j'y suis allée en présentiel, donc j'ai juste présenté mes papiers, et ensuite c'est tout simple, donc on vous donne pas de carte, vous recevrez un email comme quoi c'est tout bon, vous êtes membre du programme Gaudir Mas. Et avec ça, vous avez des réductions aussi dans beaucoup d'endroits et vous avez la gratuité au château de Montjuïc et surtout au parc Güell. Pour ça, ça vaut vraiment le coup parce que le parc Güell avant, quand je suis arrivée en 2007, c'était gratuit. Ensuite, c'est passé à 4-5 euros et maintenant c'est 10 euros. Donc après, vous avez la liste hein, des musées qui sont membres du programme Gaudir Mas. Il suffit d'y aller, de donner votre nom, votre prénom, votre numéro de NIE ou numéro de passeport. Et si vous êtes bien enregistré, c'est tout bon, on vous laisse rentrer. Pour le parc Güell, par contre, c'est le seul où il faut quand même réserver à l'avance sur le site du parc Güell. Vous sélectionnez ticket le jour où vous voulez y aller. Donc c'est le jour même, c'est pas une semaine à l'avance, c'est pas la veille, c'est vraiment le jour même. Choisissez Gaudir Mas, votre nom, votre prénom, votre numéro de NIE, ça vous détecte automatiquement et ça vous dit OK et vous recevez un mail. Et avec ça, vous rentrez au parc Güell gratos. Et avec Gaudir Mas, vous avez des réductions au zoo, vous avez réductions au funiculaire de Barcelone, le musée ethnologique, le jardin botanique, enfin pas mal de choses. Numéro 3, Barcelone gratuit. Il y a par exemple en septembre le festival des festivals, c'est la Mercè à Barcelone. Donc cette année, c'est du 22 au 25 septembre.
septembre. Il y a plein d'activités proposées et de portes ouvertes. Donc c'est des sites culturels, des musées, des bâtiments qui sont fermés d'ailleurs le reste de l'année, qui vont ouvrir exceptionnellement pour la Mercé. Donc en général, il y a beaucoup de monde. Je vous conseille de regarder le programme à l'avance. Soit on vous demandera de réserver, même si c'est gratuit, il faut réserver, ou alors d'y aller très très tôt le matin, parce que des fois, il y a 2-3 heures d'attente. Donc il vaut mieux être assez organisé. Et le programme, c'est sur le site de barcelona.cat/lamercé/es. Il y a aussi le Palau de la Generalitat, c'est le siège de la présidence et du gouvernement autonome de Catalogne. Place Jaume Primer qui est gratuit à certaines dates de l'année. La visite dure 50 minutes et vraiment c'est top. Je l'ai fait plusieurs fois, c'est pas très connu à Barcelone mais vraiment je vous le recommande. C'est un bâtiment qui est magnifique avec une façade néoclassique de très belles salles et un patio qui est vraiment superbe. Alors c'est gratuit pour la Sant Jordi en avril, la Diada en septembre et une date vers Noël qui est encore à déterminer. Le reste de l'année, il y a aussi des jours de visite gratuites. Alors, il n'y en a pas énormément, il doit y en avoir une douzaine. Les inscriptions se font également en ligne et vous avez le choix entre plusieurs donc langues. Il y a espagnol, catalan, anglais et français. Donc ça, c'est cool. Il y a des visites également en français qui sont organisées. Ensuite, le premier dimanche du mois, c'est comme en France, il y a beaucoup de musées qui sont gratuits. Comme le Palau Güell, le musée Picasso, le CCCB dans le Raval, le MNAC. Il y a le musée Frédéric Marès aussi qui est gratuit le premier dimanche du mois. J'adore ce musée, il n'est pas très très connu. C'est dans le quartier gothique. Il y a plusieurs étages. Alors Frédéric Marès, c'était un collectionneur et le mec, il collectionnait tout. Les timbres, les lampes, les petites cuillères. Enfin, vraiment, c'est très impressionnant. Je vous le recommande. Et les autres dimanches du mois, après 15h, il y a également des musées qui offrent la gratuité. Il y a le château de Montjuïc, le musée du dessin, le monastère de Pedralbes et le musée Picasso, lui, il est gratuit les jeudis après 17h. Il y a aussi des salles d'expo gratuites à Barcelone, je pense par exemple à la Virreina qui est tout au-dessus de la Rambla, qui est vraiment un bâtiment qui est sympa en plus et ils ont souvent de très très belles expositions photos. Il y a aussi la Caixa Forum à Plaza España, c'est un centre culturel qui est géré par la fondation La Caixa. Ils ont toujours de très très belles expos, en plus le bâtiment est magnifique, c'est une ancienne usine de style moderniste, donc c'est vraiment à voir. Et c'est gratuit si vous êtes client de la banque La Caixa. La Caixa c'est la grosse banque catalane. Si vous n'êtes pas client de La Caixa, c'est 6€ l'entrée. C'est également gratuit pour les moins de 16 ans. Alors en parlant de La Caixa Forum, il y a le spectacle de la Fontaine Magique qui est gratuit également, vous connaissez sûrement, c'est donc Plaza España, ça fait partie du top des choses à voir à Barcelone gratuites. Par contre, je vous en parle, mais en ce moment, le spectacle a été annulé à cause des restrictions d'eau. Il n'y a plus d'eau, donc c'est la sécheresse en Catalogne. Mais bon, j'espère que cette année, ce sera à nouveau opérationnel, ou en tout cas l'année prochaine, parce que c'est vraiment un show très sympa à voir. Ensuite, numéro 4, le shopping. Vaste sujet. Si vous venez de France, de toute façon Barcelone, ça vaut le coup, surtout pour tout ce qui est groupe Inditex. Ne vous jetez pas sur les marques genre IKKS, Zadig et Voltaire, ça vaut pas le coup. Allez tout de suite vers ce qui est donc groupe Inditex, Zara, Massimo Dutti, Pull&Bear. Il y a également le groupe Mango, ils ont même un outlet qui est dans les chambres, je vous indiquerai l'adresse. J'aime beaucoup l'outlet Mango. Si vous avez très peu de temps, que vous avez par exemple qu'une après-midi ou une journée, que vous voulez aller directement au shopping, je vous recommande de faire la Calle Pelai, donc c'est du métro Universitat à métro Catalunya, ou encore d'aller au Portal de l'Angel à Catalunya. Il y a Zara, Benetton, Women's Secret, Pull&Bear, enfin il y a vraiment de tout. Concentré au même endroit, donc par contre il y a toujours beaucoup de monde, mais si vous avez peu de temps, au moins voilà, vous avez toutes les principales boutiques qui sont là. Vous avez également les centres commerciaux, Diagonal Mar, La Maquinista que j'aime beaucoup, il y a la IA, il y a la Sarenas. Et le dimanche, il y a des centres commerciaux qui sont ouverts également, comme par exemple le Mare Magnum. C'est pas le meilleur, mais voilà, lui, il est ouvert le dimanche. Et si vous avez l'occasion d'aller un petit peu plus loin, moi j'aime bien également l'Annec Blau à Castelldefels. Là, c'est pareil, il y a toutes les boutiques, les principales boutiques et tout le groupe Inditex, donc dans un même centre commercial. Et en général, c'est assez tranquille. Donc pendant les soldes, c'est parfait si on veut essayer des vêtements. Et vous avez la plage qui est juste à côté, donc c'est aussi une bonne option.
Vous n'aimez pas la fast fashion, Zara, Primark, H&M et compagnie. C'est pas bien, c'est mauvais pour la planète. Pas de problème, on a un grand choix de boutiques vintage et de seconde main à Barcelone. Alors pour ça, je vous recommande d'aller par exemple dans la Calle Tallers, découvrir des magasins de segunda mano, donc de seconde main, comme Flamingo, Olala Vintage, El Indio, Soul Barcelone et encore Circular Second Hand que vous découvrez sur ces images. Il y a également la petite Calle Riera Baixa dans le Raval pour son marché hebdomadaire. C'est tous les samedis, il y a des vêtements vinyles, il y a même du tatouage, des déguisements, donc des CD, des valises, des petits sacs à main très sympas. Moi j'adore la boutique Lullaby Vintage au numéro 22. Et une amie m'a également fait découvrir une jolie boutique à deux pas de la Rambla. Ça s'appelle la Casa Grala. Et regardez comme c'est chouette à l'intérieur, c'est magnifique. Et on paye au poids, donc c'est 39 euros le kilo ou un petit peu plus. Et il y a vraiment de tout, des jeans, des très belles robes, de quoi faire des déguisements aussi, enfin plein de choses sympas. Bon, finalement, la partie shopping, elle est assez variée. Donc entre la fast fashion, les petites boutiques seconde main, on a le choix à Barcelone. Donc si vous voulez faire du shopping, je vous recommande de venir pendant les soldes, juillet-août et en hiver. Vous allez trouver plein de petites choses pas trop chères. Bon alors je crois que j'ai fait le tour. De toute façon, si j'ai oublié des choses, je vous dirai ça dans la prochaine vidéo. Encore une fois, si vous avez des bons plans à partager, des commentaires, n'hésitez pas à laisser un message sous cette vidéo. Et je vous dis à la prochaine fois, prenez soin de vous. Hasta luego, ciao.